Alors, l'Automobile Magazine, on rappelle hein, qu'eux, ils sont pas trop en faveur des VE et leurs mesures d'autonomie, c'est un peu avec un parpaing sur la pédale d'accélérateur, on va pas se mentir. Hein. Donc, à prendre avec des pincettes leurs chiffres de consommation et d'autonomie du modèle Y que voici. Logiquement plus lourd que sa petite sœur, presque 100 kilos, et défavorisé par son aérodynamique, le modèle Y ne pouvait pas espérer faire mieux qu'elle. C'est sur route que l'écart est le plus grand, avec 36 km de différence en faveur de la berline, mais sur les autres terrains, la différence est vraiment tenue. Jugez plutôt, le modèle Y peut parcourir 440 km sur une seule charge en ville, 17 km de moins seulement que le modèle 3, autant dire que les trajets citadins ne posent pas de soucis. Encore plus impressionnant, l'écart n'est que de 15 km sur autoroute. Alors oui, comme la berline, c'est sur ce terrain qu'il est moins performant. Les VE n'étant pas particulièrement amateurs de vitesse élevée, mais 335 km reste un excellent chiffre. Rares sont les voitures à zéro émission à avoir dépassé la barre des 300 km d'après nos mesures. Tout aussi impressionnantes sont les consommations. Là aussi, c'est sur route que le modèle Y se détache le plus de la modèle 3, mais sur les autres terrains, la différence n'est que de 0,1 kWh au 100. La Zoé, beaucoup plus courte et beaucoup plus légère que le SUV californien, fait un peu mieux en ville avec 0,8 de moins, mais ce n'est pas le cas sur route avec 4,1 kWh de plus pour la française sur autoroute. Le SUV la pulvérise avec 7,6 kWh de moins en conso. Non seulement le modèle Y est efficient, mais il est comme toute Tesla véloce. Seulement 5 secondes suffisent pour passer de 0 à 100. Le modèle 3 réalise l'exercice en seulement 4 secondes 6. Ça dépend, hein. C'est la longue range, hein. Oui, du coup, pas la standard. Mais on ne peut pas dire que le SUV se traîne. 1000 mètres départ arrêté, 24 secondes 5. Bien des sportifs rêveraient d'afficher un chrono pareil. Enfin, les reprises sont éclair. Passer de 80 à 120 prend 2 secondes 6, 3 dixièmes de moins que sur la modèle 3. Donc le tableau est récapitulatif. Alors encore une fois, aucune précision de la température, du temps qu'ils faisaient quand ils ont fait leur test. Puisque ça peut jouer, hein, le fait qu'il pleuve, qu'il fasse froid, etc. Bon, il n'y a aucune précision, là c'est dommage. C'est fait un peu à l'arrache. Hein. On est loin des tests de l'Argus, par exemple, qui sont quand même plus précis. Donc selon eux, modèle Y, autonomie route 390, autonomie autoroute 335. Alors c'est l'autonomie autoroute, pour le coup, elle me paraît réaliste. Par contre, les autres, pas vraiment en fait. Hein. Vous n'allez pas me faire croire que le modèle Y et la modèle 3 consomment plus de 20 kWh au 100 sur route. C'est impossible. C'est impossible. Alors, ils se sont plantés, hein. Il y a deux fois conso autoroute en plus. Là, j'imagine que c'est la ville, tout simplement. La conso est moins élevée. Mais pareil, hein, 19 kWh au 100 en ville, c'est délirant. Enfin, comment ils font, quoi? Ils foutent le chauffage à fond. Ils accélèrent comme des barbares après les feux. Enfin, je sais pas comment ils conduisent, mais c'est n'importe quoi leur conso, là. Ceux qui ont une modèle 3 témoigneront que c'est ridicule, quoi. Donc la seule valeur réaliste pour moi, c'est autoroute. Hein. Mais encore, c'est peut-être un poids élevé, la conso. Bref, toujours des consos bizarres hein, sur ce site. Leur vraie mesure, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.